chez Anouba Kandai. C'est juste que mon but est deux mots, mais si d'ailleurs qui m'ont capable d'intervenir là. Je ne connais pas si je fais rien, je ne connais pas écouter depuis le commencement. Je suis bien triste quand il y a un camarade qui peut servir de mot imposteur, des adjectifs comme ça. Moi, je suis toujours là et je peux dire qui nous fait une grande décision, qui nous fait une prendre au niveau du MP. Et aussi, pourquoi Jean-Claude Barbier, je ne sais pas si je fais erreur, mais c'est une case qui est rentrée contre M. Bikram Singh pour avoir accès dans le côté général du MP. Je ne sais pas si vous êtes capable de demander, mais aussi, il pourra confirmer que sa finette retirée. Bon, maintenant, juste avant où, M. Kandai, l'intervention de M. Bikram Singh, qui tu peux dire, lui, c'est le trésorier du parti. Donc, vous êtes quoi exactement? Moi, je suis le président du parti. Le président du parti, monsieur. Donc, vous êtes le président du parti? Voilà. OK. Comment vous pouvez dire, monsieur Barbier, qui n'a pas confirmé que sa fenêtre est retirée en Cour suprême, puis Odin Simpli, et la Cour fait même ordonner pour payer les frais de l'affaire, OK? Non. Non, pas au courant du tout. Non. Mais, je suis désolé. Donc, moi, je peux apprendre. Si c'est vrai, je l'apprends maintenant. Et de quel droit vous êtes président? Donc, m'aurait dit à... On a un petit souci avec qualité de communication. Moi, je suis content que camarade Kandai, moi, qu'on appelle lui camarade, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et sa famille. Donc, monsieur Kandai, vous pouvez parler sans ligne ou écoute... C'est qui camarade Jean-Claude. Pardon? C'est réciproque, je vous dis, c'est réciproque. Merci, mon frère. Donc, précise-nous une affaire, je pense que c'est très important. Pour toute l'amitié qui nous est là, qui sa réunion, qui se dit à destituer moi là, qui était à la présidence de cette réunion, mon frère? Je connais tout bon détail, Jean-Claude, quand tu finis répondre à la question. Donc, te confirme moi, donc te confirme à la population qui, à la présidence, c'était bien sous des Sroupen, n'est-ce pas? Autant que je me souviens, oui. D'accord. Mon papa est cross-examiné, toi, avocat, mon frère. Hein? Ouais, on va rétablir les faits pour que toute la population comprenne comment ça s'est là, in passé. Mais là, tu fais déjà une affaire qui la cour, une raye, whatever, je ne suis pas au courant, évidemment. Et nous avouer, il a besoin incessamment pour continuer toute l'affaire parce qu'il finit un autre souci. Et donc, on va dire, toi, lui. Parce que la population, ce n'est pas ce souci de savoir qui est un petit gégé à interne, comment ça peut fonctionner. Merci de confirmer qu'à la présidence, c'était sous des Sroupen. Je te dis quelque chose. Ce n'était pas une réunion formelle. C'est ton approche. Écoute, je te dis quelque chose aussi que tu as dit dès le commencement qu'il nous fallait être nous dans les bras X, Y ou Z et te faire trouver pratiquement un an, ne pas finir être nous dans les bras personne, nous un parti autonome. Ne peut faire tout ce qu'il faisait faire. Et ça, c'était vraiment quelque chose que tu as dit que c'était pas correct. Et pour venir dire imposteur. Mais là, enfin, anyway. Juste pour te dire, moi, j'ai donné des informations ce que j'ai. Ben voilà. Oui. Et ça, peut-être, mon camarade Kandai, lui, me connaît personnellement. Nous naissons beaucoup de communication pendant tout ce moment de braise, là. Donc, lui, moi, je suis d'accord que le Anupam Kanda, il pénalise personnellement l'agenda de Al-Zetli dans les bras de Alan Ganou. Lui, personnellement. Mais je ne suis pas capable de dire ça pour les autres, parce que pour les autres, on a de l'information précise. Et camarade Anupam, donc, d'ailleurs, ce bon camarade qui voice out. Donc, je ne vais pas les prendre aux autres noms, mais je pourrais connaître les autres. Non, je ne vais pas prendre aucun nom. Mon camarade là toujours avec moi. Hein? Je pourrais connaître les autres. Et si j'ai les autres noms, je dis à moi, parce qu'il y a des gens qui nous causaient face to face. Et je t'exprime les autres honnêtement pour dire qui les autres pensaient. Donc, je ne vais pas prendre les autres noms. C'est à moi qui ai l'obligation. Mais ça va dire là, pour eux, c'était clair. Sauf. Mais vérifie les informations qu'ils me donnent, toi, Jean-Claude, c'est très important, mais pas pour plus long que ça. Évidemment, si tu trouvais que ça va une affaire qui tu fais là, qui n'est pas légale, ou bien comment te dire, un imposteur, ben évidemment, tu sais, nous avons un coup de justice qui est capable de trancher. Hein, donc, si vous pouvez comprendre bien, maître Kandai, ou clame la présidence du mouvement patriotique. Je vous ai, oui, monsieur, oui. Oui, alors, moi, je peux dire que le fin de vie,
n'est pas président, il ne peut pas être président, puisque ça groupe du monde qui prend sa décision pour mettre le président là. Donc il décide ça en apporté, pas dans un rayon formel du mouvement patriotique. Donc non, il parle à la présidence. Qui est-ce pour répondre à Jean-Claude Barbier? On ne va pas souscrire à ça du tout. Aucun procès verbal. Donc c'est une majorité qui prend la décision là, ça joue là. On ne va pas dire où. Donc, M. Kandai, qui est-ce pour répondre à Jean-Claude Barbier quand il peut dire qu'il y a une réunion qui s'est fait en apporté? Non, je ne suis pas en apporté du tout, c'était dans les locaux. Du MP, autour de NATAP, autour de NATAP, et aussi, c'était majorité des membres qui viennent prendre sa décision. Là, c'est pas moi, c'est pas X, c'est pas Y, c'est pas Z, c'est la majorité qui était présente. Mais c'est là que mon camarade Kandai en est réel, puisque moi j'étais pas là. Allez, on va voir, on va voir. Moi, j'étais pas là. Madame Nandani, qui est là, secrétaire, n'était pas là. Donc, un comité ne peut pas se constituer sans que le président. Là, donc l'agenda du jour était pris. J'étais présent, Jean-Claude. Mon camarade Kanda est capable de vérifier ça jour là qui l'agenda qui a killé le WhatsApp. Là, ces gens-là, c'est une finie épuisée. Donc, mon camarade Kanda et les membres, pas encore, je dis un nom là, camarade Norbert Froger et camarade Sakti, qui finit quitter les locaux, tu n'as allé, qui tu donc au début de la du réunion. Donc, nous avons moi-même et Bana qui nous participe dans sa réunion là. Donc, nous confirmer que c'était, comment s'appelle mon camarade Rupen qui était à la présidence de sa groupe qui prend sa décision là. Donc, je ne connais pas que ça dans ça, le monde qui nous peut vivre là. Contre une telle rencontre qui vient même dans le local, parce que le local est grand, hein, nous avons besoin d'une lâchement, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un rayon formel. Et c'est là le point. Donc, est-ce que moi, je m'assure que c'était formel, c'était avocat. N'écoute, Maître Kandai. Ouais, bon, là, mon fini de dire ce qu'il m'en a pour dire, la population a jugé, nous avons beaucoup d'avocats dans ce pays-là. Et d'ailleurs, nous avons du monde qui me connaît, qui nous dit, ça ne peut pas se faire. Aucune organisation ni organisation. Non, mais là, je peux n'arrêter ça. Monsieur Barbier, fait que lui-même, on peut maintenir juste ce qu'il m'en a pour me dire. Et moi, tout ça très bizarre. Comment les fins, les fédérations aujourd'hui, qui n'est pas au courant, qui est ce qu'il est, les fins rentrées, et, moi, pas quoi, ce bonhomme de loi, fin retire sa caisse, là, sans ce aval, ok? Parce que l'instruction doit être prise de la part du client. Alors, pour nous parler, pour maintenir qui fin retire caisse, Maître Kandai? Oui, effectivement. Et la cour fin même, donner l'autre pour, la partie qui fin rentrer injonction là, c'est-à-dire, Jean-Claude Barbier et les autres pour payer les frais de l'affaire. On ne connaît de quelle caisse qui, à nous pas. Injonction, en toute sincérité.